Pour nous comprendre, il faut nous suivre sur WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, Twitter. Hello guys, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Chers abonnés, chers followers, je viens ici partager un problème que j'ai depuis, je crois, 2 jours déjà, depuis 48 heures déjà. Donc, depuis 48 heures, vous allez voir les derniers jetons que j'ai eu à swapper ou à réclamer des airdrops sont nuls. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Nous allons essayer de faire une simulation. Donc, je vais chercher à acheter le BitTorrent. Vous allez voir. Parce que demain, si vous avez le problème, vous allez juste vous référer au niveau de cette chaîne pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, je vais aller directement copier l'adresse du smart contract. Je vais copier l'adresse du smart contract. Je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi je n'arrive pas à finaliser mes transactions. Donc, c'est un problème technique qu'il faut juste résoudre comme ça. Là, non, c'est pas ça. C'est un problème technique qu'il faut juste résoudre. Attendez un instant, je copie rapidement l'adresse du smart contract. Je vais copier l'adresse du smart contract, c'est fait. Voilà, c'est fait. J'ai copié l'adresse du smart contract. Je rentre dans ce Trust Wallet ici. Voilà, je sors là. Je viens à ce DApps. Je cherche Uniswap. Non, PancakeSwap. Voilà. PancakeSwap. Je cherche PancakeSwap. Je cherche PancakeSwap. Donc, voici. Ah non, ça va. Il est en train de charger. Donc, je vais acheter pour 0,00. 3, à peu près 1,45$. Je viens, je colle l'adressement de contrat là, c'est fait. Voilà. Bon, je vais donc swapper maintenant ça. Je vais donc swapper maintenant ça. Confirmer le swap, c'est fait. Voilà, donc ça me coûte environ 1,58$. Donc là, je viens cliquer là, vous voyez là, j'ai la valeur des 3 dollars. Alors, il y a cela quelques jours, c'était moins d'un dollar vu que le BNB est en train de prendre la valeur. Dans le BNB, il y a plus de 400 dollars. Donc, ça sont les frais de gaz ou les frais de réseau. Et voici la totalité. Après cela, je viendrai juste cliquer ici. Là, c'est fait. Voilà, approuvé. Voilà, on va voir. Maintenant, on va cliquer sur BSCAN. On va juste cliquer ici sur BSCAN. Ici, joue BSCAN. Joue BSCAN. On va cliquer là. Je vais vous montrer le problème que j'ai. Voilà, voici le problème que j'ai. Ouais, il dit sorry. La transaction ne peut pas être effectuée à cause de la localisation. Donc là, c'est un pour la localisation du hatch. Donc ici, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut résoudre au niveau des paramètres. Donc, je vais faire une copie et on va traduire cela. Traduit, attendez un instant, traduit. On va traduire cela pour mieux comprendre. Voilà, c'est fait. Non, ça va, je vais copier de nouveau encore. Pour traduire. Traduire. Désolé, nous ne pouvons pas localiser ce H. Voilà, ça va. Donc, j'ai bien. Ok, ça va, donc ça va. Donc maintenant pour résoudre ce problème, si donc je vais aller dans MetaMask parce que MetaMask est relié à ce téléphone. Je vais me connecter à MetaMask. Il est question aussi de faire un reset des paramètres ici. Je me connecte sur MetaMask. Je vais aller ici là, sur paramètres, setting, paramètres, advanced. Voilà. Voilà. Voilà, et je vais comme ça des réussites était texte. Ok, ça va. Donc, je vais ici. Je viens là cliquer sur reset account my account. Je vais cliquer sur reset my account. Yes, je vais faire un reset. Voilà, je vais encore essayer. Je vais faire ça doublement. Voilà, advance reset my account. Là, il n'y a rien qui est rouge. Il n'y a rien que rouge reset, encore une fois de plus. Voilà. Voilà, c'est frais. Voilà. Ok. Ok.
Et donc là, je vous ai montré la procédure, comment résoudre ce problème sur MetaMask. Maintenant, nous allons aller sur Trust Wallet. Nous allons aller sur Trust Wallet maintenant parce que il est vraiment question de résoudre, de montrer aux différents investisseurs, aux différentes personnes de crypto-monnaie que si demain ils ont ce problème, ce problème-ci, voilà. Si demain vous avez ce problème, désolé, nous ne pouvons pas localiser votre TXNH. Donc, c'est un problème. Donc, ça veut dire que tous les transferts que vous allez envoyer ne vont pas partir. Parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, j'ai eu ce problème-là depuis 48 heures. J'ai cherché la solution et j'ai trouvé la solution. Donc, on va un peu revenir là. On va un peu revenir sur mes transactions ici. On va revenir un peu sur, au niveau de mes transactions ici, là. Vous voyez, depuis quelques jours, tout ce que j'ai fait. Tous les airdrops et les airdrops, les achats, tout sont nuls parce que le transfert ne passe pas. Donc, en passant même, je vais chercher. Bon, là, je vais sur paramètres ici, ce paramètre là. Regardez bien la procédure. On va tout changer. Je vais sur paramètres, c'est fait. Cliquez sur paramètres, on va cliquer sur portefeuille. On va cliquer sur mon portefeuille ici, là. Non. Un instant. Paramètres, portefeuille. On va cliquer sur les trois points. Oui. Il est question de récupérer notre phrase. Attends. Il est question de récupérer la phrase et de réinitialiser le portefeuille. Donc, je vais mettre pause pour ne pas publier ma phrase de récupération. Donc. Je viens de copier la phrase de récupération parce que c'est extrêmement important. Vous devez vérifier si c'est bien copié parce que nous allons supprimer ce portefeuille ici afin de recréer le portefeuille, afin de recréer, de réinitialiser, afin de réinitialiser ce portefeuille. Donc, vu que les transferts ne passent pas et nous allons aller réessayer. Donc, nous allons faire cela. Nous allons venir ici. On va supprimer ce portefeuille. Delete. OK. Voilà. On a supprimé ce portefeuille. Voilà. Il est question maintenant de créer un autre portefeuille. Voilà. On vient là. Oh, j'ai déjà un portefeuille, on va plutôt cliquer sur j'ai déjà un portefeuille. Voilà, on va cliquer plutôt sur j'ai déjà un portefeuille. Oui, j'ai déjà un portefeuille. On va cliquer sur portefeuille monnaie. On va coller maintenant. On va coller. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause. Toujours pour ne pas publier ma phrase de récupération parce que c'est très important. Si quelqu'un tombe dessus, il va vider tout. Oui. Mon portefeuille a été importé de nouveau. Mon portefeuille a été importé de nouveau. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Mon portefeuille a été importé de nouveau. Là je vais cliquer maintenant sur terminer. Je vais cliquer sur terminer maintenant. Je vais aller sur paramètres. Je vais aller sur. Mais là, il y a plusieurs monnaies qui se sont réinitialisées, donc je vais seulement ajouter des temps parce que j'avais plusieurs crypto-monnaies là, donc je vais seulement les ajouter au fur et à mesure. Donc j'avais plusieurs crypto-monnaies que j'avais réclamées, je vais seulement les ajouter au fur et à mesure. Donc ici, le Shiba Inu, non, c'est pas ce Shiba-ci, c'est un autre Shiba, c'est un autre ce Shiba-ci. Oui, ça donc ça va. Donc là maintenant, nous allons essayer une transaction pour voir ensemble si le problème a été résolu. Donc je vais simuler une transaction. Je vais venir là. Je vais acheter. Je viens là sur. Je viens là sur. J'ai acheté un token tout de suite là. PancakeSwap, ça ferait. PancakeSwap, tout a été réinitialisé. Je viens sur PancakeSwap ici là. Continuer. Je vais. Donc, chercher un jeton là, je vais chercher Trust Wallet, le jeton de Trust Wallet lui-même, voilà, son token parce qu'il est en train de prendre vraiment de la valeur. Je dois prendre même pour 1$ actuellement. Je dois prendre même pour 1$. Je prends même pour, oui, je disons 2$ à peu près. Je prends pour 2$. 2$, voilà, je prends pour 2$. Voilà, c'est bon, on attend. On attend. C'est comme si je n'ai pas de BNB. C'est quand même surprenant. Attends, je vais rentrer là au niveau des BNB. Ah oui, j'ai des BNB. Ça va, c'est y'a là. Ok, c'est bon. Je vais swapper maintenant. Je vais swapper confirmer.
Faire le contrat intelligent là, donc ça me coûte environ là j'ai les frais d'achat sont là, oui, ici ça me coûte environ, voilà, parce que ça me coûte, et voilà, ça sont les frais de gaz, et là je vais cliquer maintenant sur voilà, approuver, et c'est fait. Une fois que c'est approuvé, on va cliquer maintenant sur le BS scan pour voir si c'est le même problème. Voilà, non, maintenant le problème a été résolu. Vous voyez la différence, vous voyez la différence maintenant, on va donc. Donc, le problème a été résolu. Vous voyez maintenant la différence. On va donc rentrer alors sur BS Max. Vous voyez, voici le nouveau que je viens d'envoyer. C'est ça. On va cliquer maintenant sur. Vous voyez, donc tout est bon. Voilà, tout est OK. Donc, si demain vous avez, si demain vous avez le problème que j'ai évoqué tantôt, là, n'hésitez pas à vous abonner sur. N'hésitez pas à aller consulter cela sur notre chaîne. Sur notre chaîne pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, parce que c'est. J'ai eu vraiment, j'ai perdu beaucoup d'airdrops comme ça parce que j'étais bloqué, je n'avais pas de solution. Mais à force de par mon expertise, mon expérience, j'ai pu trouver une solution adéquate qui m'a permis de résoudre ce problème. Et j'ai voulu partager ce problème avec vous. Donc, si demain vous avez les mêmes problèmes, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller visualiser les vidéos que nous avons réalisées dans le temps. Donc, c'est extrêmement important. Parce que vous savez, nous sommes à l'ère du numérique et la crypto-monnaie aujourd'hui est l'un des leviers indispensables pour nous rendre potentiellement sur le chemin de la liberté financière. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye. Donc, je vais. Il y a plusieurs monnaies encore. Il y a plusieurs monnaies qui ne sont pas encore vraiment intégrées ici. Il y a plusieurs monnaies que je vais les intégrer au fur et à mesure parce que j'avais il y a environ plus de 400 crypto-monnaies déjà, mais bon, je vais les réintégrer au fur et à mesure. Donc, lorsque je l'ai dit, les gars, comme je l'ai dit tantôt, pour nous comprendre, il faut nous suivre. Voilà, donc les gars, suivez-nous, suivez-nous. Je suis convaincu que voici une crypto-monnaie que vous ne devez pas négliger. Voilà, là. Donc, les gars, ne perdez pas de vue ce projet, c'est du lourd. Tout ce que je présente sur cette chaîne YouTube, ce sont des projets extrêmement importants que vous ne devez pas négliger. Donc les gars, ne négligez aucun projet ici, là. Donc, tous les crypto-monnaies actuellement sont la majorité sont au vert, comme vous voyez là, la majorité sont au vert. Donc, le Shiba Inu est en train de prendre la valeur. Il a pris environ plus de 3,4% déjà aujourd'hui. Donc les gars, n'hésitez pas à vous positionner dès maintenant. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye. Bye bye.